En Côte d'Ivoire vivent 5 millions de Burkinabés, une population constituée aux deux tiers par les jeunes. Ces derniers veulent s'impliquer dans le développement du pays. Une réflexion est alors engagée. La plupart a vu le jour en Côte d'Ivoire et ils sont nombreux à s'être intégrés dans le tissu économique ivoirien. Ces jeunes espèrent apporter plus en prenant pour repère le président de leur pays natal, Blaise Compaoré. Regroupés donc sous l'identité les amis de Blaise Compaoré, ils ont échangé avec le représentant du FASO en Côte d'Ivoire sur plusieurs points, dont les difficultés d'intégration de certains. Nous, jeunes Burkinabés, vivons aussi en Côte d'Ivoire, parfois au niveau même de l'emploi, au niveau même culturel, au niveau social, rencontrons pas mal de difficultés. Il y a plusieurs cas à ce niveau, parfois manque de qualification, parfois pour certains qui sont qualifiés, n'arrivent pas aussi à s'intégrer dans le tissu social ivoirien. Il faut prendre en compte donc, cette jeunesse-là dans la définition, la formulation et la mise en œuvre des politiques, étant donné que cette jeunesse est majoritairement donc confrontée à des problèmes d'emploi. De quoi renforcer l'ambition de l'association Les Amis de Blaise Compaoré qui veut dresser les pistes pour une meilleure participation au développement de leur pays d'adoption, la Côte d'Ivoire.